y aller? On y va? Isata, bonjour. Donc on vient de voir un de tes cours au Centre Maboy. Cours de niveau... Là aujourd'hui on a fait cours avancé. Avancé? Oui. Tu as d'autres cours donc qui sont débutants, c'est ouais, ça? Oui, j'ai cours... Il y a trois niveaux. Trois niveaux. Le mardi à tout niveau, ça veut dire débutant et avancé. Le mercredi avancé et le jeudi débutant. Voilà, c'est les filles qui m'aiment. Ouais. Excuse-moi. Voilà, le jeudi c'est débutant. Et donc là, tu leur demandes pas mal au stade avancé quand même. J'ai vu que tu étais exigeante, hein, fallait y aller. Ben, ouais, il faut y aller. Il faut, expliquer qu'ils arrivent. Bon, ils vont, hein, mais il faut quand même pousser. Bon, ça va quand même. C'est des élèves que tu as depuis combien de temps? Oh là, il y en a que je connais depuis 18 ans. Donc. Ah oui, d'accord. Qui sont fidèles, ils sont tout le temps là. Donc, bon, il y a d'autres 4 ans, 6 ans, 2 ans, 1 an, voilà. Alors, on a déjà dit que là, avec Mohamed, par exemple, qu'on avait déjà filmé, que la danse guinéenne était une danse plutôt aérienne par rapport aux danses ivoiriennes, par exemple, ou aux danses sénégalaises. Là, on va peut-être pas reparler des danses, mais peut-être en bref, cette danse que tu as fait, que tu as interprétée aujourd'hui, c'était quoi? Aujourd'hui, j'ai fait Liberté. Ouais. C'est un rythme qui s'appelle Liberté, la danse Liberté. Et en diagonale, j'ai fait Son Sorné. Son Sorné, c'est à base des plis qui se travaillent beaucoup dans les jambes. Quand on apprend à danser en Afrique, ouais, c'est un des rythmes parce qu'il y a beaucoup de petites techniques dans les pieds. C'est pour cela aujourd'hui, ça a beaucoup demandé, c'était pas évident. Ouais. Voilà, mais sinon, parler de d'autres danses, moi je trouve toutes les danses, c'est des danses, quoi, chacun a sa façon de. Voilà, oui, bien sûr. Alors, en fait, à l'origine, tu étais chanteuse.
Danseuse, ici une famille de griots. Ouais. Donc née dans une famille d'artistes. Ouais. Et tu es arrivée très tôt à la danse ou, et au chant ou à quel âge? J'ai commencé le chant, j'avais 14 ans. Ouais. 15 et 16. À 16 ans, j'ai commencé la danse. Et à 17 ans, j'ai eu contrat pour venir avec Marie Kanté en tournée. Comment s'est passé la rencontre avec Marie Kanté? C'était super, c'est un autre monde, c'était vraiment génial. Fait tour du monde. T'es parti 5 ans alors? 5 ans, c'était vraiment 5 ans. On habitait à Paris, mais je ne connaissais même pas la France parce qu'on était tout le temps en Europe. Ouais. Et c'était vraiment super. Tu étais chanteuse soliste là? Hein? Chanteuse choriste, c'est Marie Kanté. D'accord. Ouais. Et après, j'ai travaillé avec Touré Kounda. Oui. J'ai fait, voilà, et après j'ai fait avec Ndouma Trio, on a fait deux albums qui étaient super. Oui. Et c'était par contre classique africain. Voilà, on a fait deux albums. Maintenant j'ai envie de changer, j'ai fait ma maquette. Donc tu veux faire une carrière solo, en solo? Oui, à moi-même. Alors quel type de musique? Musique du monde. Oui, tu as travaillé avec d'autres célébrités aussi. Donc. Oui. Alors. J'ai travaillé avec Mamadi Keita aussi. Oui. On a tourné Japon, l'île de la Réunion, qui était vraiment, c'est un homme superbe et c'est une vraie musique quoi. J'adore la musique. Ouais. Tous les grands artistes qui donnent la bonne musique, c'était autre chose, c'était super. Et tu regrettes pas ces époques de tournée comme ça? Tu voulais te fixer, tu voulais arrêter alors? Non, j'ai fait un moment et après, ben, d'autres qui me demandent, j'y vais. J'ai fait tourner avec des Allemands, j'ai fait album avec les Allemands aussi. Ouais. Et qui a beaucoup tourné entre l'Allemagne et la Suisse. Alors, qu'est-ce que. Aussi, tu fais partie de la compagnie, ou tu as fait partie de la compagnie Georges Van Boy? Oui, avec Georges depuis 1995. Et tu continues à faire des. Je continue dans la compagnie, entre chant et la danse. Oui. Et toujours, et on a beaucoup tourné aussi, pareil, en Europe. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, le chant, la danse Moi, les deux, c'est vraiment, je sais, j'ai jamais le choix. Quand il y a la danse, je suis heureuse, quand c'est le chant, c'est pareil. Donc, mais t'espères quoi de ta carrière de solo que tu voudrais mener en fait en solo? Le chant quand même, par contre. Ouais. Ouais. Bon, bah alors on te souhaite beaucoup de succès. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.